Salut, c'est Seb. Allez, on se retrouve pour deux vidéos aujourd'hui sur GT Sport. Pourquoi deux vidéos? C'est simple, je vais vous expliquer très vite, assez rapidement. Les vidéos aujourd'hui sur les quotidiennes, c'est trois tours. En tout cas, pour la catégorie A et la catégorie B. Trois tours, j'aime pas trop, forcément. Ça pousse un peu de partout. T'as pas le temps de refaire tes petites erreurs. Donc, je vais cumuler les deux pour la simple et bonne raison que je vais essayer de faire un contenu et une vidéo assez longue. Parce que trois tours, je vous cache pas, c'est pas intéressant. Donc, je vous laisse avec la catégorie d'abord de la A, ensuite la B qui est plus intéressante. Et puis voilà, je compte sur vous comme d'habitude pour me dire ce que vous en pensez. Je vais y arriver dans les commentaires. Et puis on se retrouve, je sais pas quand, une prochaine. Allez, salut. Allez, c'est parti. Nouvelle course quotidienne A, catégorie N300. Je voulais pas forcément la faire parce que j'aime pas trop ce type de bagnole et encore moins ce type de circuit en ville. Donc je suis cinquième avec ma petite Fairlady Z version S. Je suis à 6 secondes du premier. Je vous laisse imaginer. Donc on n'est clairement pas là pour le podium. Mais comme il n'y a que 3 tours. Tu veux passer grand passe, fais-toi plaisir. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Alors, ce qu'il faut surtout pas prendre dans ce, comment dirais-je? Je vais y arriver. Les barricades en circuit. Tu prends les barricades, vas-y, hop. C'est terminé. Tu te prends quasiment. Allez, ça pousse. Tu prends quasiment une seconde et demie de pénalité. Donc clairement, faut éviter. Mal sorti. J'ai voulu laisser passer, du coup, ça m'a porté préjudice. J'ai mal pris ma trage. Là, ça va, c'était juste. Allez, ici, gros freinage. Oh putain, ça pousse. Allez, passe grand, parce que je te vois sur le côté. Tu m'as l'air aussi un petit peu pressé, Greg Greg. Mais certainement meilleur. Je vais te laisser. L'enchaînement là, il n'est pas évident. Parce qu'il faut passer, donc se prendre de pénalité. Et on peut relativement bien s'en sortir. Mais encore une fois, en 3 tours. Pas bien pris là. Derrière, ça va, c'est assez loin, il y a de la peine, donc je suis assez tranquille de ce niveau-là. Top 5, il est peut-être jouable, on va voir ça.
fait au mieux. Hein. Encore une fois, c'est un circuit que je découvre. J'ai fait 4-5 tests avant. Il est chaud celui-là. Bon, devant, il s'éloigne. Compliqué. De la bagarre là-bas, je vois devant avec un espagnol et un français, je pense. Allez, ici l'enchaînement où il faut pas se planter. C'est pas la meilleure façon de le prendre. Je suis en dessous, hein. Clairement au niveau du rythme, il y a deux groupes, hein. Il y a les 6 premiers. Et il y a ceux derrière. Clairement ne pas mordre, sinon tu te prends la pena. Ça, tu as droit, c'est sûr. On est déjà dans le dernier tour, je vous l'avais dit. Et voilà. J'ai dû mordre rien du tout. Et je me prends la peine. Donc bon, pour derrière, je pense que ça devrait le faire. Mais bon, si je voulais au moins avoir le top 5, c'est mort. Au niveau du rythme, il est un petit peu meilleur que moi, le Greg, mais pas tant que ça. Ça joue pas grand chose. Voilà, terminé là-dessus. Bon, 6ème, c'est pas si mauvais. Une seconde de pénalité, je pense que ça changera rien. Là-bas, il y a des 3 secondes carrément. Une seconde. Mais bon, je pense que ce sera terminé comme ça. 6ème, à mon avis, ça va pas changer grand-chose pour moi. Puisque les autres sont devant. Voilà. Bon, alors, je sais pas comment je vais faire le montage. Si cette course arrivera avant ou après une autre. Vu que c'est des courses quotidiennes de 3 tours, c'est très peu. Donc pour en faire une vidéo, peut-être que je ferai une vidéo avec un mélange des deux. Bref, vous verrez ça, c'est pas grave. Donc soit on se retrouve pour la course suivante, ou soit je vous dis à une prochaine. Dans tous les cas, salut. Allez, on est parti, course quotidienne B. Salut à tous. Nouvelle vidéo sur Grand Turismo Sport. Donc j'aime pas trop, hein, les courses catégorie quotidienne B. Je suis 8ème, vous voyez, avec ma BMW M6, et on est parti pour 3 tours, je me répète, mais j'aime pas trop ce format, parce que en plus sur ce circuit là, les gars veulent vraiment aller à fond, à fond, à fond, ça pousse, ça, voilà, c'est pas les courses en général où c'est les plus propres. C'est pour ça que je préfère faire les Nations ou les constructeurs.
En général, le niveau est un peu plus élevé et plus propre en général, je dis bien. Alors la 8e, en plus, je crois que je vais démarrer au mauvais endroit. Non, ça devrait aller. Non, ça va le faire dans la ligne droite. Ici, c'est bon. Donc la BMW, c'est vrai qu'elle paraît pas la plus adaptée pour ce circuit. J'ai fait quelques tests. Et c'est avec celle-ci que j'ai fait le meilleur chrono. Donc bon, batteur, c'est très compliqué. Là, vous allez voir, de toute façon, on lui va déjà essayer de venir. Ça va, il a été correct. Je me loupe ici, il en profite. Je sais pas, Polyphonie proposer des courses de, je sais pas moi, 5 tours au moins. C'est un carnage. Je suis là. Le mec, il a 3 secondes de pénalité, mais il s'acharne à bloquer les autres. Voilà. Autant dire que 3 secondes, t'as le temps. Tu peux aller boire ton café, mais il n'y a pas de souci. Le podium il est juste devant. Ici, je me fais souvent déboîter. Déboîter, c'est pas le mot. Défoncer. Allez, pour l'instant. Si je fais pas de bêtises, on est sur le podium. Je me rapproche devant de l'espagnol pour lui mettre un petit peu la pression et l'obliger à faire des petites erreurs. Ça, ce serait pas mal, je vous le cache pas. Je regarde juste si je suis en train d'enregistrer. Allez là, freinage important aussi. Voilà, il suffit que je dise pour me planter. Le con. C'est bon, derrière il est parti à la faute. Je sais pas si je l'ai dit, traction control 3. J'ai l'air d'être plus rapide que lui, donc allez, il va me rester un tour. Si je me chie pas dans les prochains virages, il y a moyen peut-être de monter. Oh, il s'est loupé. Oh, il s'est loupé. Allez, P2 Seb. Ah ouais, un batteur, s'il y a tellement de possibilités de se planter, il est encore lui en Porsche.
va être mieux passé, mais lui aussi. Ah putain, je prends une mauvaise trage là. Il n'a pas l'air d'être mauvais. Un petit peu de distance. Ouais, c'est ici que ça va se jouer, dans la descente. J'ai pris un petit peu d'avance. C'est bon, ça devrait le faire. Premier s'est envolé littéralement. La pression. Pas d'erreur ça. Deux freinages. Allez, dernier. Encore une belle course, magnifique. Deuxième, partant huitième. Belle perf, je suis content de moi. Le premier était complètement impossible à rattraper, mais voilà, c'était une belle course. Le circuit est pas évident, donc franchement content. Voilà. Bon, alors je sais pas encore si je jouais ce petit format ou si je un petit format comme ça, si je vous mets deux vidéos l'une après l'autre. Voilà. On va regarder le résultat. Final, deuxième, donner des points. Super place, voilà. Bon ben voilà. Bon ben écoutez, s'il n'y a pas de vidéo derrière, ben je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir suivi et à plus. Salut!